Bonjour tout le monde, bonjour bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toutes et à tous. Ah, c'est encore très sombre cette image, ça m'agace, mais bientôt ce sera réglé, je vous promets. Je suis en panne avec une de mes caméras, j'ai dû reprendre une vieille caméra, mais voilà, c'est pas grave, vous me voyez, c'est l'essentiel. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, je vois que vous arrivez tranquillement. Bienvenue tout le monde. Bonjour Nathalie, bonjour Coco, hello Martine, Fabienne, Rachel, Gazelle, Ticia, coucou ma belle. C'est super, je vois que tout le monde arrive tranquillement. Coucou Patricia, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Bonjour Martine, comment ça va? J'espère que tu es en forme. Bienvenue, bienvenue. Coucou Muriel. Bonjour Pascal. Bienvenue à toutes et à tous. Si je ne vois pas votre petit message passer, ne m'en veuillez pas. Coucou ma Cathy. Vous le savez, j'ai régulièrement des petits soucis de commentaires. On a des intrus, donc je préfère vous dire tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Si je ne vois pas tous vos commentaires, ne m'en veuillez pas, c'est que parfois, ça disparaît. Coucou Sandrine, bonjour Marotine. Bienvenue tout le monde. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2020. Et chaque semaine, je vous propose un nouveau live créatif. Coucou Viviane, comment ça va? Voilà, donc chaque mercredi, pour l'instant, on se retrouve le mercredi après-midi à 14h et on passe un petit moment ensemble à scraper, à papoter, à rigoler quand les chippies sont dispo. Et c'est un vrai moment de bonheur pour moi. Je vous remercie tous et toutes de me suivre aussi fidèlement chaque semaine. Deux petites choses cette semaine. Coucou Lynn, coucou du Québec. Oui, de bon matin pour toi, c'est vrai. Cette semaine, quoi de neuf? Eh bien, nous sommes le premier jour du mois, vous le savez. Et donc, chaque premier jour du mois, je vous adresse le nouveau code hôtesse. Coucou Fatou, coucou Evelyne. Ce code hôtesse vous permet simplement de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Donc, il est à utiliser sur la boutique en ligne. Attention pour vos commandes inférieures à 200€. Sans ce code pour vos commandes inférieures à 200€, attention, je ne peux pas vous envoyer de petits cadeaux. Donc, pensez bien à le mettre. Et si vous ne savez pas où l'ajouter, eh bien, simplement, il vous suffit d'aller sur mon blog harmoniscra.fr et dans les onglets majeurs, vous trouverez... code hôtesse, voilà, et vous, je vous ai fait une petite vidéo pour vous indiquer où l'ajouter sur la boutique. Cathy, non, ta jumelle, elle est en pré-rentrée aujourd'hui, donc elle n'est pas là. Oui, Muriel, toujours très très sage, on le sait bien. Coucou tonton, hello ma Fabienne, bonjour Marie-Thérèse. Donc voilà, vous avez les petites infos pour le code hôtesse, vous le savez. On est toujours en période de celebration en ce moment. Attention, il ne reste plus qu'un mois pour vous faire plaisir avec tous les petits cadeaux qui sont dispo dans la brochure. Si vous ne l'avez pas, je peux encore vous la faire parvenir, ainsi que le mini catalogue août-décembre ou l'annuel aussi, bien sûr, si vous ne l'avez pas. Si vous n'êtes pas encore ma cliente ou si vous n'avez pas encore de démonstratrice, je me ferai une joie de vous les faire parvenir. Coucou Monique, comment ça va ma belle? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La box mensuelle, c'est en cours. Les premiers abonnés recevront donc leur box d'ici mi-septembre. Les prochaines inscriptions pour la box de octobre, donc elles auront lieu du 15 au 20 septembre. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous informerai tout ça sans problème. Tonton Cathy te dit bonjour. Oui, oui, Sandrine, gros bisous, on l'embrasse très très fort. On passe très très fort à elle. Et bien sûr, les personnes, attention, hein, qui sont abonnées sur plusieurs mois pour la box, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire
tous les mois, d'accord? Voilà, donc ça sera pour le mois de septembre. Je vous remontre, voilà, pour la prochaine box du mois d'octobre, pour celles qui ne sont pas abonnées sur plusieurs mois. Voilà, voilà. Alors, on est bientôt à la rentrée. Demain, ma dernière va faire son entrée en sixième. Voilà, c'est le saut dans le grand bain. Coucou Red Sensei. Et puis les autres vont rentrer vendredi. Qui dit rentrée dit adaptation, modification, changement, évolution, voilà. Tout ça, c'est en train de se faire dans ma petite tête. Ne jamais se reposer sur ses lauriers, s'adapter, évoluer, avancer. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Mon but est toujours vous satisfaire, de répondre à vos besoins, à vos questions, à vos demandes. Pour cela, j'ai besoin de vous, je vous le disais, je vous affiche pendant le live un sondage, si je le retrouve. Il est où le petit sondage? Là. Hop. Voilà. Et je l'active. Normalement, il devrait s'afficher pour vous dans quelques secondes. Voilà. Pour moi, il se met. Donc, voilà. Quelques petites questions. Enfin, une question avec plusieurs réponses. Pour la suite des événements. Oh, Émilie, t'es une chippie, toi. Coucou. Bonjour, Isa. Alors, normalement, il est actif. Je vais voir si je peux l'avoir en temps réel. Hop. Coucou Gaëlle, comment ça va ma belle? Voilà, normalement vous avez le sondage qui s'affiche. Donc si vous avez 30 secondes là pendant le live pour y répondre, ça me rendrait un grand service, toujours dans le but de vous satisfaire au mieux. Voilà, voilà. Oui, tonton, ne recommence pas à te moquer de moi avec. Mais voilà, j'ai toujours mes tics et ils seront toujours là. Bien. Alors, voilà un maximum d'infos. Vous aurez d'autres surprises au mois de septembre. Des nouveaux clubs vous attendent. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Vous le saurez bien assez tôt. Plein de surprises pour le mois de septembre. Je comprends pas ce que tu me dis, Gaëlle. Coucou, oui, c'est bon. Alors, on est là hein, pour faire un projet. Et du coup, je vous propose de basculer ma caméra et de vous remontrer donc ce projet de porte-carte, puisque je vous en ai parlé. Quand on a des périodes comme ça où on est très productive, on a plein de cartes d'avance, et puis ben, on ne sait pas trop où les mettre en attendant d'avoir des destinataires à qui les envoyer. Et du coup, bah, elles sont posées sur une étagère ou sur un coin de bureau. Et bien là, je vous propose qu'on réalise un petit porte-carte. Voilà, comme ça, on peut en ranger facilement une bonne dizaine dedans. Si elles ne sont pas trop épaisses, bien sûr. Ouais, Gaëlle, ah oui, oui, faux folle. Trop contente de me montrer ça avec vous. Mais nous aussi, et moi aussi, je suis ravie de vous avoir. Bonjour Corinne, bonjour Monique. Donc voilà, on va réaliser un petit porte-carte, comme ça elles seront rangées, bien à l'abri. Et puis, ben, pour le plaisir, autant le décorer, ça nous fera plaisir. C'est parti. Alors, hop, je vais couper ça, ça sera un petit peu mieux. Voilà la première version donc du porte-carte que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser, vraiment. Quelques plis à faire et vraiment, ça sera et ça ira tout seul. Hop, voilà, vous voyez, j'ai mis mes petites cartes dedans que j'avais mis de côté. Voilà, un très joli porte-carte. Vous pouvez décorer aussi le dessus, hein, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Coucou Nati, comment ça va? Bon courage, Milly, je pense fort à toi. Ah, Fabienne, oui, bon courage. Pour une fois, je peux le mercredi. Bah, je suis contente de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Coucou Karine, comment ça va? Donc voilà ce fameux porte-carte. Je l'ai réalisé avec la collection Autour des Murs. Voilà, ça,
Ah non, c'est super joli, avec des couleurs unies qui sont magnifiques. Je vais vous détailler ça un petit peu plus. Ok, super Cathy, merci beaucoup. Et normalement, j'ai dû activer les sous-titres, il me semble. Je ne sais pas si vous les avez, mais je les avais activés au départ, donc j'espère que vous les avez encore. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Ah, ça te plaît Fabienne? C'est cool, ça me fait plaisir. Voilà le papier design que j'ai utilisé pour cette création. Un papier juste magnifique. Vous l'avez ici en présentation, donc hop, recto verso à chaque fois. On a des papiers qui sont parfois un peu brillants. Je vais vous approcher ça. Alors j'ai toujours le même souci du zoom. Hop, voilà. Je ne vais pas bouger trop vite pour que vous ayez le temps de l'apercevoir. Donc celui-ci, vous voyez, est brillant. Beaucoup de doré. Hop, avec une jolie chouette. Voilà, de belles couleurs d'automne. Très très sympa. On va pouvoir utiliser notre papier cidre à la cannelle qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'utiliser jusque-là. Hop, et le dernier ici, recto verso. Voilà, c'est pas très droit, hein, on n'en voulait pas. Pas rangé du tout le bureau, c'est pas très grave. Et donc, les couleurs unies à ce papier. Coucou Héloïse, bah qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tapes du pied? Nous avons, et alors c'est assez curieux, mais alors vraiment ça va super bien avec, la preuve. Hein. Oui, il y a les sous-titres, Isa, super. Bon, bah, je suis contente, j'ai pensé à toi. Je suis contente que ça fonctionne. Pierre rose poli, cuvée de cassis, fruits des bois, couleur café, cidre à la cannelle et le papier doré. Ça, ce sont toutes les couleurs unies qui sont coordonnées donc avec cette super collection. Ça, c'est une collection complète, donc avec, vous avez un magnifique ruban doré. D'ailleurs, Aude vous a fait un Reels hier, justement pour vous apprendre à effilocher le ruban. Donc c'est très sympa, je vous invite à aller le consulter sur son compte Instagram. Alors, Rensetsei, vous n'arrivez pas à écrire directement en commentaire. Alors parfois il faut répondre à un commentaire pour pouvoir écrire directement. C'est assez bizarre, il y a quelques bugs sur les lives, mais on a bon espoir que ça s'améliore. C'est la rentrée Martine nouveau cahier. J'adore moi. C'est vrai, c'est ta collection préférée, Héloïse? Ah bah tu vois, je suis contente. Donc voilà, ce magnifique ruban doré qui est vraiment très très beau. Hop. Évidemment, tampons et poinçons coordonnés. Tiens, c'est bizarre, hein, Red Sensei. Je vois vos messages du coup, mais c'est assez curieux. Il faut vraiment taper dans commentaires. Je pense que c'est peut-être là d'où vient le problème. Voilà le set de tampons qui est coordonné à la collection. Vraiment très joli aussi. Idéal aussi, ça, ces écritures, soit pour mettre directement sur une étiquette par exemple, mais vous pouvez aussi vous amuser à en faire des fonds de cartes, créer votre papier design vous-même. Et les poinçons assortis qui sont majestueux. Hein. Donc les contours des tampons, et alors ça, effet fougère, il est magnifique. Vous avez vu la dimension de ce poinçon, il est superbe. Vraiment magnifique. Patricia, tu ranges ta scrap room en même temps? Bah ouais, rentrée oblige. Un peu de tri, un peu de rangement. Oui, il n'y a pas de souci, mais j'aperçois vite fait vos messages, Red Sensei, donc ça devrait aller. Et avec ça, on a des découpes aussi. Hop, je vous montre ça rapidement. Voilà, donc on a des petites choses qui sont prédécoupées. On a cette belle chouette par exemple. Hop, que vous pouvez coller dessus. Bah, dans le bon sens, ça sera encore mieux. Voilà. Et puis, on a plein d'étiquettes aussi, d'embellissements en doré qui sont juste magnifiques. Des étiquettes ici aussi. Vous n'avez plus qu'à les décrocher pour les coller.
Donc, vous remarquerez que j'en ai utilisé, bien sûr. On a aussi plein d'étiquettes, toutes coordonnées, hein, bien sûr, à cette collection qui est magnifique. Voilà, tout ça, c'est plus qu'à prédécouper et à coller directement sur vos créations. Donc, c'est hyper pratique. Si on est un petit peu pressé pour faire une carte, c'est idéal. Alors, hop, je mets ça de côté. Donc, cette collection, elle est dans le mini-catalogue et vous la trouverez à la page 45. Vous avez aussi, j'ai oublié de le sortir, le papier vélin scintillant or, qui est aussi très, très joli. Ça peut être sympa pour faire les découpes au poinçon. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais réaliser ma carte, mon porte-carte, pardon, avec une collection de l'annuel, cette fois, qui n'est autre que Plantes épanouies. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Je trouvais ça sympa de faire un petit peu différent, donc j'avais envie de changer un petit peu de tonalité. Donc on va partir plus dans le blanc, le cidre à la cannelle, toujours, mais un petit peu de vert aussi. Plantes épanouies, catalogue annuel, page 80, le papier design recto verso, papier 30-30. Ça y est, j'ai encore perdu vos commentaires. Hop, voilà, je vous l'approche pour que vous le voyez un petit peu mieux. Et vous avez la possibilité en plus, dans le papier design, de découper au poinçon certains petits pots qui sont sur le papier. Donc ça, c'est hyper pratique. Les papiers unis coordonnés sont cidre à la cannelle, épinette enivrante, gris granit, juste jade, ocre roussillon et vert jardin. Allée des magnolias, Rachel, oh, ça doit être très beau, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous en parlais, des poinçons coordonnés, bien sûr, toujours. Alors, ici, on a le tampon et la découpe contour. Pareil pour celui-ci, ainsi que là, là et là. Donc, on parle des poinçons contour. Ici aussi, pour les deux cruches, ici. Et puis, on a des poinçons aussi qui sont, vous voyez, ceux-là, les petits vases là, qui sont super jolis. Et puis, celui-ci que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il va faire partie de ma création aujourd'hui. C'est vraiment top. Les sentiments, vous les voyez, une police magnifique et en français. Je sais que ça plaît beaucoup à beaucoup d'entre vous. Voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, c'est parti, je vais prendre mes papiers. Hop, j'ai bien sûr tout préparé parce que comme on papote pas mal, hein, autant que je prépare tout. C'est qui les deux cruches? Mais voyons, je n'ai cité personne. Je ne me permettrai pas, ma petite Fabienne. Hop, je vous affiche comme d'habitude les mesures qui sont donc ici en bas. Et j'ai constaté que vous aviez trouvé ça assez pratique et sympa la semaine dernière. Donc, je vous ai refait en fait les schémas à la main. Voilà, ici, pour que ça vous aide un petit peu plus. Je les laisserai là pendant que je vais faire mes pliages et mes découpes. Ça fait beaucoup rire Gazelle, je crois, Fabienne, ta petite remarque. C'est qui les deux cruches? Coucou Béa, ça va ma belle? J'ai préparé mes papiers design, mon matage. Ça, ça sera en fait, vous voyez, l'avant de mon porte-carte. Je l'ai fait volontairement un petit peu plus grand, mais vous, vous aurez les bonnes dimensions, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais je voulais que ça ait une part belle quand même. Et en fait, le petit quadrillage ici, derrière, c'est un papier qui fait partie donc de la collection Plantes épanouies. C'est papier treillis, voilà, vous en avez 10 dedans. Et la dimension, c'est 12,7 par 8,3, ça peut vous donner une idée. Et du coup, ça fait des fonds, même des fonds de cartes qui sont vraiment très originaux, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est parti, je prends mon coupe-papier et nous allons nous lancer donc à faire les pliages. Donc, ça se passe en deux temps, en deux morceaux. Vous allez voir. Coucou Lucie, non, il n'y a pas de souci. Regarde, on n'a pas commencé encore la création, donc il n'y a aucun problème. Je vais réduire juste un peu ça. Voilà.
Merci ma Fabienne. Donc, deux morceaux de papier unis. Le premier mesure 28 par 11,4. Ok, je vous rappelle, vous avez les mesures ici. Et puis, à la fin du live, sur le blog, vous aurez le replay vidéo. Vous aurez la fiche technique avec toutes les mesures, les schémas, etc. Et vous aurez aussi la liste des produits que j'ai utilisés pour les trois versions du porte-carte. Donc, ce grand morceau-là, le 28 par 11,4, va être en fait, je vous montre, tout simplement la structure de base. D'accord ? Le deuxième morceau de papier uni, c'est en fait ni plus ni moins qu'une petite boîte qu'on va fabriquer. Hop, on va fabriquer la petite boîte et on va la coller en fait sur notre support. D'accord ? Donc ce deuxième morceau de papier uni, lui, il fait 28 par 8,9. Ok ? Alors, on va commencer par ce que j'appelle le support, donc. Donc ça c'est mon brouillon, hein, 28 par 11,4. Et nous allons venir faire deux plis, un à 14,9 et l'autre à 17,2. Ok ? Alors c'est parti, je vais ouvrir ça. Hop. Que vous ayez je cale tout pour que vous voyez tout à l'écran comme il faut. Voilà, je vais essayer de descendre ça. Voilà. Donc je vous montre sur le bord long 14,9 par 17,2. Bon, ça c'est pas très compliqué à faire. Je sais pas où me mettre pour que vous ayez tout soit visible. Bon, là c'est vraiment deux plis, c'est pas compliqué. Ok, alors 14,9, c'est parti, vous êtes prêtes? Vous avez tout votre matériel, on y va. 14,9 et le second 17,2. N'hésitez pas à regarder les commentaires puisque notre petite Cathy, que l'on aime beaucoup, a pris le relais de Sandrine et donc elle vous note les mesures dans les commentaires. Hop, voilà, ça va donner ça. Ok, 14,9, 17,2. Jusque là, rien de compliqué. On prend l'autre morceau de 28 centimètres par 8,9. Hop, et du coup, voilà ce que l'on va obtenir. Donc, vous vous en doutez, en toute logique, les pointillés vont être nos plis, d'accord ? Et les parties hachurées et les traits pleins vont être des découpes, d'accord ? Non, si je l'approche un tout petit peu plus, voilà. Voilà ce qu'on cherche à obtenir. D'accord ? Alors, je vais déjà faire les plis et puis quand je vais couper, je vous laisserai le schéma sous les yeux. Ok ? Je place donc le bord long sur le haut de mon massicot. Je viens faire un premier pli à 11,4. Je vais le mettre dans le bon sens, ça pourrait être pas mal. 11,4. Pour le premier pli. Le second, 13,7. Il n'y a pas de souci, Laurent, ça va ma belle? Crapouillot, je ne l'ai pas vu. Il est là, Crapouillot? Non, je crois pas. Hein. 11,4. 13,7. J'ai failli me tromper. Hein. Du coup, hop, voilà, 13. Ah, mais si, t'es là, Crapouillot! Le coquin. Gros, gros bisous, Crapouillot. Le troisième pli à 25,1. Faut que je décale un peu, hein, excusez-moi, mais sinon, je vais tout abîmer. 25,1. Et le dernier, 27,3. Je répète les mesures sur le bord long, 11,4, 13,7,
25,1 et 27,3. Ok? 4 plis sur le bord long. Ok? Je retourne mon papier sur le bord court, donc en haut de mon massicot. Et là, je viens faire un pli à 2,2. Alors, la gauche ou la droite, pas d'importance. Vous savez, j'aime bien quand j'en ai la possibilité, quand c'est un pli assez court, j'aime bien le positionner comme ça. Je peux, hop, tenir correctement mon papier. Donc, pouf pouf, 2,2. Ah oui, mon crapouillot, j'ai hâte que tu le fasses aussi. Ça doit te manquer de scraper. J'ai hâte de revoir tes projets, parce que ça fait un bail. Hein. Voilà. Pour les plis, ça sera bon. Hop, maintenant, on n'a plus besoin que de notre plioir en os et de nos ciseaux. Ok ? Alors, je vous laisse le schéma. Comme ça, vous savez exactement ce que vous avez à plier et à couper. Donc, je vais venir marquer mes plis. Voilà. Hop. Comme ça, ça vous permet d'avancer. Oh, il y a plein de petits cœurs. C'est trop cool. Coucou Annie. Oui, il n'y a pas de souci pour le replay. Et bonne piscine à ton petit-fils alors. Et oui, les activités vont bientôt reprendre. Donc, tous mes plis sont correctement marqués. Et maintenant, je vais pouvoir venir faire mes découpes. Voilà. J'espère que ça vous aide à l'écran. Voilà. Vous avez donc le petit pli ici à droite. Ici, ça tombe complètement. Voilà. Et là, on biseaute les côtés pour que ce soit plus facile. J'ai eu un bug, hein. 30 secondes encore, voilà, et je viens hop, couper tout ça, créer mes petites languettes. C'est pas obligé que ce soit très très large ici, hein. Vous ne vous prenez pas la tête, c'est vraiment histoire de biseauter, que ce soit plus joli au moment où on va assembler tout ça. Voilà, vous. Hey, coucou Muriel, ça va ma belle? Je suis ravie que tu sois là. Pour la petite histoire, Muriel, eh bien, c'est ma nouvelle filleule. Elle vient de rejoindre mon équipe il y a seulement 2 jours pour mon gros, plus grand plaisir. Je suis vraiment trop contente de l'accueillir dans l'équipe. Bienvenue à toi. Et en fait, Muriel a profité... des avantages pendant la Celebration, elle a pu choisir son lot tampon poinçon gratuit. Oui, t'inquiète pas pour le contretemps, tu le sais ma belle, il y a toujours le replay. Hop. Ouais, il n'y a pas de souci Annie, l'essentiel c'est que tu l'aies reçu ton colis Incolor, il n'y a pas de problème. Il n'en reste plus qu'un d'ailleurs. Voilà donc ce que ça donne quand on a tout coupé. Oui, c'est Muriel avec 2 L, Marotine. C'est ça. Bah oui, parce qu'on a 2 Muriel dans l'équipe. Hop, voilà. On va se retrouver avec une petite boîte comme ça, fermée. Ouais, les replays, c'est trop bien, justement. Ok, bah tout simplement, il suffit d'assembler entre elles les languettes, voilà, pour former donc la petite boîte qui va venir se coller, hop, ici, comme ceci. Bon, vous allez voir, quand ça va être décoré, vous verrez drôlement mieux. Les gabarits, c'est pratique, hein, Béatrice, ouais, je suis assez d'accord. Cathy, eh bien, l'équipe est à 10 personnes maintenant, 10 filleules. Ouais, ouais, 10 filleules, c'est cool. Je suis très fière de ma petite équipe.
Alors, j'ai 9 filleuls directs et j'ai une filleule qui a elle-même une filleule. Donc, elles sont 10 dans l'équipe, ça fait 11 avec moi. Voilà. Alors, on y va. Et bien, maintenant, il suffit simplement de décorer. Et ça, pour cela, vous avez toujours ici les mesures. Donc, avec le papier matage ici et le papier design ici. Donc, j'aime bien décorer à plat. Je trouve que c'est plus pratique en fait pour coller les papiers. Il faut juste que vous fassiez attention, d'accord, avant de les poser, c'est de présenter donc votre boîte fermée pour vous rendre compte, voilà, où va être l'avant, où va être l'arrière. Quand vous allez coller la languette du fond, d'accord, imaginez-vous qu'elle soit bien collée sur votre support pour qu'on ne voit pas en fait comment dirais-je, la séparation au moment où on va coller. Ça sera plus joli et plus esthétique de ne voir que le pli à l'avant, d'accord? Et donc votre toute petite languette ici doit être à l'arrière aussi. D'accord? Ça marche? Donc je sais que ma boîte va être se positionner comme ceci. Hop, ça va s'ouvrir. Comme ceci, donc maintenant je sais où j'ai à positionner mon papier de matage et mon papier design. Ici, j'ai besoin donc de deux morceaux de papier uni qui mesurent 6,2 par 1,6. 6,2 par 1,6 de papier uni, il vous en faut deux et donc ils vont venir décorer les côtés, hop, de ma petite boîte. Je vais enlever ça. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bon. Donc ça va venir ici. Pour décorer l'avant de ma boîte, il me faut un morceau de papier uni qui mesure 11 par 6,2. 11 par 6,2. Et donc ça va venir se placer ici à l'avant. OK? Pour ce qui est du papier design par-dessus, donc pour les deux côtés, nous sommes à 5,7 par 1,1. Donc c'est la mesure qui est là. 5,7 par 1,1, il vous en faut 2. D'accord? Et le morceau ici de papier design qui va sur l'avant de la boîte mesure 10,5 par 5,7. Ok? Référez-vous aux mesures qui sont là, aux mesures que Cathy vous met dans les commentaires. Et si vraiment ce n'est pas suffisant, eh bien prenez votre temps à la fin du live pour aller consulter la fiche technique qui sera sur mon blog quelques minutes après la fin du live avec le replay. Hop, voilà, je viens coller tout ça. J'aime beaucoup ce papier design, hein, du coup. Ça me permet d'utiliser cidre à la cannelle que j'ai rarement l'occasion d'utiliser. Et pourtant, c'est un très joli marron, je trouve. Il est vraiment très sympa. Hop, voilà. Et une fois que je vais avoir, oula, collé tous ces papiers, je vais pouvoir fignoler le montage de ma boîte. Avant de faire le montage complet des petites languettes, c'est le moment où vous vous posez la question de savoir si vous mettez un ruban ou pas sur votre petite boîte. Je vous explique. Vous voyez ici, j'ai mis donc un ruban pour décorer ma petite boîte. Si vous souhaitez en mettre un, pensez bien à l'installer avant de venir coller votre boîte sur le support. D'accord? Comme ça, il sera, vous voyez, il est collé, moi, sur. J'aimerais que le zoom se fasse un peu mieux. Il entoure en fait la boîte et ensuite j'ai collé la boîte sur le fond du support. D'accord? Donc pensez-y bien avant de faire tout votre assemblage. Ok, voilà. Donc maintenant, ça y est, je viens. Je vais monter tout ça. Ça va donner quelque chose comme ça. Déjà, rien que ça. Les papiers design sont vraiment extraordinaires. Vraiment, je les adore.
Vous avez vu, on a un papier uni, un papier blanc, un petit bout de papier design. Mais rien que ça, je trouve ça superbe. Je viens coller tout ça tranquillement. Voilà, on fait attention que ce soit bien bord à bord pour que ce soit joli. Hop. Excusez-moi. Pour changer, je m'en suis fichu partout. Un petit morceau de papier, ça va, je vous ai pas perdu, tout le monde arrive à suivre. Normalement, vous avez encore un petit sondage qui s'affiche, n'hésitez pas à y répondre. Ça me ferait un grand plaisir, et du coup, ça me permettrait de vous aider encore mieux à répondre à vos questions, à vos attentes. Voilà, hop. J'essaie de mettre ça bien droit, on attend que la colle prenne. Hop. On s'aide, si besoin, du plioir pour que ça tienne bien, pour que la colle prenne bien au papier. Je suis très très heureuse de constater que nous ne sommes plus embêtés par ces satanés marabouts. Si j'essaye de coller mais que je mets pas de colle, vous le croyez vous? J'ai mis de la colle sur les languettes, mais pas sur la grande partie. On peut toujours attendre que ça colle. C'est du n'importe quoi. Voilà. Hop. Ça, c'est OK. Donc, je vous l'ai dit, si vous voulez mettre votre ruban, c'est le moment. Allez-y, positionnez-le. Hop, tout autour, il vous faut à peu près 60 cm de ruban. Bon, je compte un peu plus large en général pour avoir la place de faire les nœuds. Voilà, ça c'est OK. Je vais passer juste à la petite déco ici. Hop, donc j'ai fait le choix de ne pas prendre un papier qui va juste jusqu'au bout, simplement parce que, hop, vous le voyez ici sur mon support, voilà, ça rentre à l'intérieur, du coup pas besoin d'en mettre ici. Maintenant si vous voulez modifier les mesures, vous êtes tout à fait libre, ok? Ici je vous en ai pas parlé, mais j'ai utilisé donc le papier doré qui est juste magnifique et que j'ai gaufré avec le plioir à gaufrage. J'ai oublié son nom, il est là, fil tissé. Je peux l'avoir là, sous la main, fil tissé, et il est vraiment très sympa. J'arrive pas à l'attraper. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne, vous pouvez aussi gaufrer le papier doré, ça donne un truc super sympa. Donc ici, mon papier uni mesure 10,8 par 7,7. Hop, 10,8 par 7,7. Non, je vous ai dit une bêtise. Si, 10,8 par 11, par 7,7. C'est toujours là. Et donc le papier design 0,5 de moins. Hop, donc 10,3 par 7,2. Voilà, hop, je viens décorer l'avant ici. Je ne l'ai pas mis dans les mesures, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, hein, prendre plaisir à décorer, hop, la petite bande au-dessus. Il n'y a aucun problème, sentez-vous libre. Est-ce que je vous ai perdu? Je n'ai encore plus les commentaires. Êtes-vous là? Voilà, donc ça, mon support commence à être décoré. Ma petite boîte, toc, viendra ici. Ça va donner à peu près ça. Et du coup, avec toute ma petite déco, voilà, ça va donner ça. Ah, oui, c'est bon. Bon, bah, c'est cool. Super. Ça va être très sympa. Hop. Alors, la question maintenant, c'est
je fais coller ça. On vient coller donc l'arrière de la boîte sur le support. Colle ou double face, hein, comme vous voulez, pas de souci. Sentez-vous libre. Voilà. On s'assure de bien tout aligner sur le côté gauche, le côté droit et le bas. Voilà, on vérifie que tout soit bien aligné partout. Voilà. Hop. Donc moi j'ai la partie ici qui rentre là. Voilà déjà ce que ça donne dans un premier temps. Hop. Et le reste va venir ici. Donc là, vous avez compris, je ne vais pas coller partout. Hop. Voilà. Donc je sais que j'en ai à peu près jusque là. Voilà. Donc là, hop là. J'ai utilisé tous les points, enfin beaucoup de poinçons, de tampons pour réaliser ça. Vous avez vu, on retrouve les fameuses petites, les fameux petits vases ici, ici aussi. Le fameux porte-pot là qui est magnifique. Voilà. Et le... Oui, mais t'as raison, le Red Sensei, c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas, Makati, mais je suis ravie qu'il ne soit plus là, qu'il ne nous embête plus. Et du coup, je viens coller ça. Hop. Voilà. Merci Corinne, c'est gentil. Voilà, voilà. Ça y est. Hop. Et voilà, je vous avais dit que c'était un projet quand même relativement facile. Et du coup, on peut en faire plein, on peut en offrir aussi. Parce qu'on peut aussi imaginer que on réalise plusieurs cartes et puis qu'on laisse vierge et qu'on offre à quelqu'un un petit nécessaire comme ça. Pour réaliser plein de petites cartes. Donc voilà, ça y est, on a la deuxième version qui est faite. Hop, plantes épanouies autour des murs, deux modèles assez différents, vous voyez, mais j'adore. Oui, on a gagné, Cathy, et ça, je suis super contente. Alors, je les remets vite fait, elles sont là, je vous les remets. Merci Monique. Merci Lucie. Ah, coucou Mumu de tes vacances, ça va ma belle? Voilà, vous avez, hop, je vous remets les deux modèles ici. Merci Lucie. Merci Fatou. T'adores tout ça ma Fabienne? Oui, je vois qu'il y a plein de petits cœurs encore partout, j'adore. C'est trop cool. Je vais regarder vite fait si vous avez pu, hop, répondre au sondage. Je sais pas si vous l'avez d'ailleurs, mais je vois pas les réponses. Merci Cathy, merci Maddy, je vous avais pas vu. Toc toc toc. Est-ce que vous avez pu, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous avez pu répondre aux commentaires? Oui, vous avez pu. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais regarder tout ça tranquillement après, voir si je peux les récupérer. Super. Allez, je vous embête pas plus avec ça. Hop, merci beaucoup à celles et ceux qui ont pu répondre et qui ont accepté de le faire. Du coup, j'ai utilisé un papier mis de côté depuis un an. Ah bah, c'est génial, super. Viviane, tu feras en replay, génial. Fabienne, vous avez pu répondre. Oui, vous avez pu. Ok, bon, je vais regarder tout ça. C'est super gentil de votre part de l'avoir fait, toujours dans le but de, voilà, de vous faire plaisir et de vous satisfaire au mieux. Merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents encore pour ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment, que le projet vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog d'ici quelques minutes, le temps de charger la vidéo. Vous retrouverez la vidéo,
la fiche technique, les schémas et la liste des produits que j'ai utilisés donc pour les trois versions. Avec plaisir, Monique. N'oubliez pas le code de test, n'oubliez pas la celebration qui se termine dans un mois, le 30 septembre. Si vous voulez vous faire plaisir en gagnant des cadeaux, des 60 euros d'achat, ou simplement rejoindre ma petite équipe, n'hésitez pas à me contacter et à me poser toutes vos questions. Merci Marianne, bon après-midi, gros bisous Martine. Coco, t'as pu faire le projet outil. Ah super, ça c'est top, ça c'est génial. Gros bisous Gaëlle, merci Sandrine. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent après-midi. Bonne rentrée à vos loulous s'ils reprennent demain. Bonne rentrée aussi à ceux qui reprennent vendredi matin. Je vous envoie plein de courage. Et puis, prenez soin de vous. Ça marche? Allez, gros gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao !